Dimanche 3 novembre 2024, composition 3 étoiles. Je ne me soucie que de mon insouciance. Ah bah c'est un morceau rigolo à jouer, mais au bout d'un moment il commence à taper sur les nerfs. Non, faut le dire quand même. Parce que j'arrivais pas bien, et puis le caméscope là qui me fait des trucs encore, il met plus de batterie, la batterie qui marche pas, là, tout. Bon, enfin c'est pas grave, ça a rien changé, de toute façon j'arrivais pas à le jouer. Donc à un moment je regarde, puis c'était éteint, et puis c'est là, t'imagines, j'aurais joué le truc parfait, et puis le truc aurait été éteint, mais je crois que j'aurais balancé. Enfin non, bon. Non, restons calmes, restons insouciants. Et puis, ben, comme je suis insouciant, je vais mettre 10. Non, je peux pas. Ben non, je peux pas, il y a des fautes. Bon, bah, ben, je suis pas vraiment insouciant, mais ça fait rien. Je vais mettre 9 quand même. C'est quand même pas loin de l'insouciance, là. Il y a des trucs que j'aime bien dans ce morceau. J'aime bien le rythme effréné, j'aime bien l'énergie qu'il y a dedans, j'aime bien les transitions qu'il y a entre les parties, et puis et puis je sais pas, mince, attends, j'ai entendu un truc et puis ça m'a déconcentré. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Ouais, bah il bouge quoi. Et puis voilà, ce que j'aime bien surtout, c'est que j'ai une petite composition à me mettre sous la dent, et ça faisait trop longtemps. Mais il y a des trucs que j'aime moins. Déjà, au niveau de la mélodie elle-même, c'est trop saccadé, il n'y a pas vraiment de mélodie, quoi. Ça manque d'histoire. C'est plus rythmique que mélodique, et ben, c'est un peu lassant, quoi. Et ça manque d'émotion à cause de ça. Et puis il y a des fautes, il y a quand même des fautes pas mal, des grosses fautes que j'aurais peut-être dû le rejouer, mais bon, voilà, il était assez dur hein, quand même.
Donc, je vais mettre quand même 8, mais c'était plus parce que je suis content d'avoir fait une composition, je pense. Ah, l'idée est amusante et plutôt culottée. Et je trouve que tu as su globalement bien l'amener. Le morceau est bien construit. On retrouve chacune des deux parties. L'insouciance dans les parties beaucoup plus libres et aériennes. Et cette forme de contrôle dans ton thème principal, où le rythme est beaucoup plus régulier, on sent la maîtrise. Alors, est-ce que j'aurais aimé un peu plus de liberté, de légèreté? Sans doute. Un peu moins de contrôle, peut-être. Mais bon, ce serait un peu excessif. Alors, je vais rester sur ma première impression. Je vais mettre 10.